Toi, t'as décidé de ne plus venir en fait. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que tu fais la même approche. Je suis venue, non? J'ai pour répondre à l'appel de la dictatrice. Et c'est bien fait pour toi, mais t'es venue que pour ça. Elle est là. Elle va venir te voir, alors ça va aller. Ça va, ma chérie? Non, ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. T'es bien coiffée. Tu sais, je me suis coiffée où? Tu vois le salon que tu m'as montré la dernière fois? Ouais. Je suis partie là-bas. Ah ouais? C'était bien? C'était bien, tu me connais, de toute façon, j'aime bien quand il y a des histoires. Il y avait une meuf, elle m'a fait tellement pitié demain. Voilà, elle m'a fait pitié. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en train de raconter son histoire. En gros, il y a son gars, il a largué. Mais ils ont fait 4 ensemble. Et il a largué comme ça du jour au lendemain. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Elle a dit, genre, il lui a dit de venir la voir. Tu la connais, toi, la gueule? Non, je la connais pas, mais elle a raconté son histoire, j'ai mis ma bouche dedans. Comme ça, c'est au métier. Ben oui. Toi, je m'envoie te faire coiffer, toi, tu vas y regarder. Non, mais ça m'a fait trop pitié, regarde. Il lui a dit, viens, on se voit. Ils se sont vus sur un parking. Et le gars, il lui a dit, en gros, c'est fini. C'est dans le parking, il a jeté la fille. Encore. Histoire fantastique, encore. Passons le laisse. Mon garçon, il a dit quoi? S'en va. Mais il va bien. Ton sourire, là, j'aime pas ça. Mais arrête de faire la misère, mon gars. Non, arrête pas la misère. D'ailleurs, Wally, t'as bien fait de venir parce que je regarde. Aujourd'hui, voilà. Tu vas me dire, ouais, si, tu vas me dire ce que je dois faire. Ouais. Puisque ton gars, il déconne un peu. Je t'explique. La dernière fois, j'étais avec lui. Il reçoit un message. Mais pas de n'importe qui, genre de son ex. Ouais. Et la meuf, elle force, en gros, de se remettre avec lui. Ou je sais pas, vas-y, en tout cas, elle force. Ouais. Et vas-y, j'ai fait ma crise, tu connais. Et il m'a dit, il allait venir voir mes parents. Ok, c'est bien, super. Et toi, tu le crois sur parole comme ça? Bien sûr, ça c'est le comportement de mon gars, c'est comme ça qu'il est. C'est pour ça que je dis mon gars sûr. Toi, parce qu'il a des choses, il sait comment faire pour les parents, il sait comment s'y prendre. Il veut t'épouser, non? Ouais, toi, c'est facile à te blaguer. non, c'est facile. Crâner un gars, il te dit comme ça, je viens voir tes parents, tu dis, ouais, il va pisser de moi. Mais c'est comment? Non, moi, je sais pas. T'as juste à prendre au mot. T'as préparé la date, tu lui as dit quand? Donc, je vais le voir, je lui dis, viens voir mes parents. Voilà, y'a que ça à faire. Si il veut pas l'apprendre, on va discuter, ça sera un autre problème. Non, on va pas discuter parce que t'as dit il va faire. Il va si, venir. On fait quoi? Écoute, Samba, tu sais très bien comment il est. Toi, mais au fond, toi, tu le connais. Arrête, tu le sais. Il est bon, il est sincère. En tout cas, du moins, le peu que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un de bien. Donc, il je dis bien. Donc, tu lui dis viens. Il va venir. Moi, je pense qu'il va venir. Sinon, il serait jamais avancé comme ça en te disant ça. Il a quoi à gagner dans ça? Vas-y, ok. Voilà. Si il vient pas, en tout cas, je te fais quoi? T'inquiète, je te voulais du KFC. Tu crois que tu vas m'acheter avec la bouffe ou quoi? Comme t'aimes trop manger, tout ça c'est ta vie. Mon gars sûr! On est là. Mon gars soin! Et toi, toujours là? Certain. Ouais, toujours. Toi. Toujours calé dans le canapé devant la télé. Ah mon gars, tu sais, quand on n'est pas là en train de escroquer les gens, on s'assoit, on regarde la télé, tranquille. Et après, il y a toujours des idées qui viennent et tout. Ouais. C'est comment? Le bled. Toi, t'es parti, t'as gaspillé tout ton argent là-bas. Ah, tu connais. Hein? Quand tu vas au bled. C'est ça. C'est ça. Vous, là, vous au lieu d'économiser et faire des vraies choses, non, vous allez économiser pour les femmes. Après, vous revenez. Non, gratte. Oh, c'est pas non, ça. Non, gratte, tu connais. Tu connais, c'est la famille. Quand tu arrives d'ici, tu es obligé de donner là-bas. Et mais là, je viens d'arriver là. Hugo, j'ai vu tes snaps. Là, c'est Koh Lanta chez moi. Il n'y a rien à manger. C'est pas Koh Lanta, c'est Sarajevo. Donc, non, Sarajevo, il faut que tu trouves quelqu'un là. Non, mais t'inquiète. Déjà, il y a l'autre là qui va nous rappeler là normalement. Tu te rappelles celle qu'on est pas escroqué là? Awa, avec le pain jaune là. Ah ouais. Ah bon. Ouais, c'est vrai, on devait pas multiplier l'argent de son frère. Tu sais combien? Je sais pas quoi. Elle a dit 20 000 euros. Non. Bill, 20 000 euros, gars. Non, mais écoute, faut qu'on arrête de faire des petits coups, tu vois. Parce qu'on a fait trop de petits coups là. Ouais, mais 20 000 euros, c'est pas. Tu lui dis, ouais, non, 30 000. Dis-lui 30 000, après on arrête. Bon, je vais essayer de la tchatcher. Voilà. Parce que 30 000 euros, j'avoue. Si. C'est pas mauvais. Sonia, attends, on t'a parlé un peu. Toi, t'avais bien chaud. Elle m'a pas parlé. Elle m'a pas commenté. Elle m'a pas parlé. Comme ça, avec. Haïm, mon confilé. Comme ça, avec. Vous parlez de quoi, même? Quand on m'a laissé faire mon confilé. Des trucs de jeunes. Ah, de jeunes, je sais. Donc, de grand colon. Lève-toi. Voilà, toi, il faut que je te dise, Adia, fais ça. Hé, toi, assis-toi. Je parle d'abord avec toi, après ton tour. Je ne parle en tout cas. Toi, toujours les gros qui t'appellent. Non, c'est pas c'est le même go. Quel go? Allô? How? What's up, baby? It's good. Yeah, how are you? Ah, j'ai oublié que tu parlais pas trop anglais.
Ouais. Non. Ouais. Non, il n'y a pas de problème, quand tu me donnes un rendez-vous, moi je suis libre, je suis... Ouais. Non, il n'y a pas de problème, Bangali, il est encore là, il est en forme. Il n'y a pas de souci. Ouais. Il y a même mon pote, Wilson. Tu te rappelles, moi, Wilson, mon associé, il est là. Il te passe le bonjour, Non, il est impatient, il n'y a pas de problème. Ok, bah tu me donnes un rendez-vous. Ok, demain, il n'y a pas de problème. Demain vers 15h. Oh. All right. Now, 30 000, non, laisse 20 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros. Ne t'en fais pas, fais-moi confiance. Il n'y a pas de problème. Après, on va discuter bien, toi et moi. Ok, on te donne un bon cadeau. Ok, bisous, kiss. Allez, moi, c'est toi. C'est ma maman. En Kenya, depuis combien de temps je t'attends? Tu es là, tu fais des va-et-vient, pas... tu traînes, rec. Non, maman, je travaille. C'est trop dur avec le travail, mes horaires, je peux même pas. Je sens même pas. C'est même pas un coup de fil, rien du tout. Mais quand même, ton père t'a dit ce que je lui ai dit, non? Mais est-ce que ce que j'ai entendu là, Alima, c'est vrai ça? Tu veux te marier avec un diaré? Tu te rends compte? Est-ce que toi tu réfléchis à un simen? C'est vous, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, on n'est plus en 2024 là. On est en 2017. Ça y est, c'est fini, c'est plus comme avant. C'est fini. Faut nous laisser. Toi, tu penses comme ça? Non, faut nous laisser. Ah bon? Donc, toi, tu t'es mis au monde tout seul alors? Non, je respecte ma mère, je respecte mon père. Ça se voit pas, hein? Ça se voit pas. Tu respectes pas ton père quand il te parle, tu t'en fous. La preuve en est que, regarde, tu es avec un diaré. Tu nous fous la honte. Jamais nous, on va se marier avec des diarés. Tu peux comprendre ça? Quand je te parle, tu me regardes, ok? C'est de n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais avec un diaré? Et demain, si vous avez des enfants, dis-moi. Tu penses qu'ils vont se marier dans notre ethnie? Mais non. Mais il ne fait même pas ça en plus. C'est ça le pire. Il n'est même pas dans ces trucs-là. Il s'en fout. Il ne chante pas. Il fait rien. Mais diaré, ça reste diaré. Qu'il chante ou il ne chante pas, il reste diaré. Tu ne vas pas te marier avec lui. Ça, moi, je te dis ça. Et puis, des fois, écoute ton père. Avec tout ce qu'il fait pour toi. Il ne comprend pas. J'essaie de quelque chose. C'est toi qui ne comprends pas. Tu penses que à toi, quoi. Tu es un égoïste pour moi. Donc toi, tu aimes le diarrhée. Donc au force, tu vas te marier, quoi. Vas-y, on verra les conséquences, là. On verra. Tu ne viendras pas pleurer. Hein. Mais si moi, je l'aime. Vous ne voulez pas savoir ça. Si c'est de mon bonheur. Ça, c'est ton bonheur, Laïssa. Ouais. Vous voulez quoi? Hugo, là c'est le jackpot qui est là. Non. Billahi, jackpot, mon gars. Et 30 000 là, c'est ça là. T'as entendu, non? Je parlais de 30 000 là. Il faut 30 000, il faut pas qu'il dit 30 000 et derrière elle nous ramène 20 000. Non, tu me connais. Parce qu'après ça, on arrête, c'est fini. On arrête ça parce que là, ça commence à trop parler. Arrêtez. Même à la mosquée là, ça parle de nous là. Arrêtez. Ouais. Non, on arrête ça. Ah, Hugo, l'argent. Non, commence pas. Voilà, on arrête parce que je te connais. À chaque fois, tu dis ouais, on arrête, mais derrière, tu as toujours des coups bizarres. L'argent là, c'est trop doux. Non, on arrête ça. Viens, on arrête ça. On va essayer de faire une autre chose. Ouais, mon ventre. Un autre truc. Comment j'ai grossi? C'est l'argent qui fait ça. Hein? Et tu rigoles, hein? Tu vois, Alima, moi, c'est pour ton bien que je te parle. D'accord? Ouais. Ton père, il est fatigué, il est épuisé. En pas, tant pis, hein? Il a même maigri. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Tout ça à cause de toi. Est-ce que tu penses qu'il mérite ça? Aujourd'hui, si je te parle, c'est pour ton bien, Alima. Moi, je t'aime comme ta mère t'aime, tu vois. Tu es comme Adia pour moi et pour Néné. Pareil. Ok, s'il te plaît, s'il me faut, réfléchis à ce que je t'ai dit. C'est que pour ton bien. Il n'y a rien de méchant ou autre chose. Si c'était Adia ou Néné, je vais réagir pareil. L'amour, on comprend. Mais après l'amour...
Est-ce que tu sais? Au début là, c'est du miel là, tu sais ça? Mais après là, tu connais les pots de piment là, c'est ça, l'amour. Et surtout si tu as des enfants avec toi. Et puis vous n'êtes pas dans la même ethnie. Ah, tu vas le payer cher. Hein? Tu vas pleurer là où il n'y a personne. Et tu verras personne, hein, je te dis. Parce qu'au moment où je te parlais, ton père te parlait, les gens te parlaient, tu n'écoutais pas. Fais attention à toi. Quelqu'un qui te dit lave-toi, elle veut ton bien. Elle veut que tu... Tu vois? Donc maintenant, lève-toi. Lève-toi et réfléchis bien, d'accord? Et ne prends pas mal. Hein? Non. Réfléchis bien. On ne peut pas se marier avec les diables. Je vais te le répéter 1000 fois même s'il le faut. Maintenant, tu peux aller rejoindre Adia. Et lavez le riz, s'il te plaît. Ok? Les assiettes aussi, et lavez par terre. Oui. Ouais. Ah super. Bah j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. L'entreprise Green Corp vient d'atteindre ses objectifs et je tiens vraiment à vous féliciter. Tout d'abord par toi Samba, tu as été vraiment un très bon recrutement. Tu m'as montré que tu avais vraiment de la valeur et que tu étais vraiment un bosseur. Je suis vraiment fier de toi. Merci. Je t'en prie. Sarah, oh là 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 là, la lumière de la Green Corp. Depuis ton arrivée, tu me donnes le sourire. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais grâce à toi. Les choses ont commencé à grimper de mieux en mieux et vraiment je t'en remercie. C'est gentil. Et ça fait plaisir. Donc pour ça, j'aimerais bien vous faire un petit cadeau. Oui, donc Kenyan. Donc quoi le fond de Kenyan. De toute façon, comme je raconte le mauvais, donc on a le goal de Cameroun. Alors quand Kenyan mort, swinga passe à Kang. Ok, on a le temps que de côté swinga passe. Yo Kenyan, qu'est-ce que vous avez? On a un agenda de Mungkuin. Et on va voir Inch'Allah. Merci beaucoup, Nawari. Gachi mangari. Ciao. Ara baga ke tande telephone de nyan tan o li anna golle muru no telephone rek anta toi ke telephone ko fumbe suro non ke antara tu mi nge ma wara ke be suro matin mi du sora nera wala foay ma ngar gol nyan nokko yo mais anga ke be ko mo ndu telephone ke ndo ke be sen par pour golle nyan ba wona ke ana golle golle nga ma kha en plus xit se go ma kha me nyan nyan ke nga golu kini suro yo donc ndo ke nyan yi sevene donc at nga na carte nyan mo su nam pas ikang nga na tankete yo sa sa pagana wala sam di gonyanu kunyaba maka inte la kanyen do dekman kuna daga pre ani wotu ngtoni chunchi mana daga do gonyanu wati pistonyane o pistonyande wati pistoganta mukanto golle kitay meu c'est ça mais de toute façon somaz ngarono voilà somaz ngatou wala somaz ngoron yugo khore dere anam ampenyamu retraite katan ken mo lanant khoyra inte retraite mo ngena mo nambo katar retraite ngaki yo donc man man nyana feke kon. Sérieux, comme je le connais, Almami sérieux. Almami n'a pris plusieurs fois téléphone, mais jamais qu'Almami qui téléphone. Haragan n'a pas le numéro de Dungan, parce qu'à autre, il n'a pas le numéro de Dungan. Haragan a occupé à quel nom de Carrefour, mais quand même. Non, je vous taquine ça. J'ai peur. Vous avez pas un patron radin quand même. Non, je sais pas. Non, c'est mon manteau à 400 euros. C'est pas faux ça. Il est beau mon beau gosse. Franchement, ouais. Non, sérieusement, je vais vous faire une augmentation à tous les deux et j'espère que ça vous fera plaisir à vous et à votre famille. De toute façon, je vais organiser un petit dîner. J'espère que vous viendrez avec vos familles pour qu'on puisse en profiter de cette joie. Okay. Donc je vous laisse travailler et on remettra ça, d'accord? Ok, bah merci. Merci, c'est gentil. Ça va?
entendu? 50 euros. Ouais, imagine. Tu vas aller faire quoi avec ça? Si c'est pas tapé, on va. Franchement, je suis en train de tomber amoureuse de Samba. Je te jure, ça fait que 6 mois, mais c'est trop en fait. Tu me parles d'un gars que tu connais depuis 6 mois et tu me dis que t'es amoureuse de lui, tu te fous de moi, s'il te plaît? C'est normal. Quand tout se passe bien entre toi et la personne et tout. Mais tu peux très bien tomber amoureuse rapidement. Ou bien t'es pas d'accord avec ça? Franchement, pas du tout d'accord, merci. En tout cas, c'est pas comme avec Ibrahim. C'est quoi la différence entre les deux? Je sais pas. Avec lui, je sais que c'est plus sincère des deux côtés. Ibrahim, je dis pas qu'il était pas sincère. Mais avec Samba, c'est plus naturel. Tu vois, avec Ibrahim, limite à la fin, je me forçais. Franchement, je trouve que t'exagères. T'es en train de dénigrer Ibrahima, un mec avec qui t'as fait 4 ans. Tu me parles d'un mec avec qui t'as fait 6 mois en mode c'est l'homme de ta vie et tout ça. S'il te plaît, laisse-moi parler. Ibrahima, il t'a demandé en mariage, vous avez fait des trucs de ouf ensemble. Toute ta famille le connaît et tu me parles d'un mec de 6 mois. Arrête là. C'était bizarre, toi, pourquoi tu le défends? Vas-y, laisse tomber. Parce que là... Ouais, bref, de toute façon, moi je dois y aller, chérie. Ok, vas-y. C'était à tout à l'heure? Ouais, à tout à l'heure. Vas-y. Ado ñu xamal le mec na yo jaar le mec ñu ci fi na ñu ci fa danga dal tuka kebe gi ma kan ci fa danga yi ma tan dama non an yere le munu ko mo kon tutali ka mo kon be donc keno mul la ku ndo ko nan tuka to mun kenke ndu ko nga danga ma da famu mama famu ba atinda nga okay après ken fo tana keta ma kempe donc o ga alma mi diga mi kebe wacha nenne xatinda nga ken ko ta ya xare yogor yere ma tu ma famu dal ad expliquer mais ma fous fam estombe anke har kelen ke su xana mbuteng rek ndeysani su xige ke mbana na mbuteng tan eh allah donc nga ma saxinga har kelen nga ma saxinga su xina na ngi mbuteng anke ya xarabe gari mbaye rek nga ante kentu lem nu gura ndekentu ni me nga seña nga se ko lek ñala gay goy golu soni kon xale su kabur si ka xoraso mentang non ma da so me no a so me ñana nke ma saluzi ko mo fosu ntandanga neneti yogori kang Jalousie mana serna ya nga fugu na ngi ndal yo ndugo nandaka yigande mbaga ndan nanyige kenya koten mais jalousie ba ke jalousie ampa so trop tamate ga ma tamate ga bun marot non laisse tomber ya gare nga sugu la tan yo gare nga sugu la tan kenti ngi ga wana hilandi ya hilandi na wu toi prochainement dans Ouagadou. C'est Samba ça? Ouais, c'est Samba, comment tu sais? Tu le connais? C'est mon collègue, il travaille avec moi. Non, tu mens. Je te jure que c'est lui, il travaille avec moi. Mais non, tu connais. Je suis choquée. Il travaille pas, Samba. Je te jure qu'il travaille avec moi, il travaille dans une agence immobilière. T'es la sûr. Même. Écoute, sors de ces mots, s'il te plaît. Adia? Il n'y a pas d'Adia, sors de ces mots, c'est ça que je te dis. D'accord. Le grand nom de gens ne te parle. C'est important. Vas-y, tu peux partir. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci.